Bonne nuit, mon petit. Oh, encore cette licorne Ne pleure pas, ne pleure pas. J'ai quelque chose pour toi. À ton âge, c'est ce que j'aurais aimé que mon père m'offre pour effectuer mes premiers pas sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai reçue sur mon compte maxence.rigotier, mon compte Instagram. Comment bien démarrer en marketing sur les réseaux sociaux Donc juste avant de voir tout cela en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés. À la chaîne YouTube. Alors je vais vous donner différentes étapes, mais qui suis-je pour vous donner des conseils Donc j'ai deux activités, l'une en Paris sportif que j'ai démarré le 1er février 2011 et une deuxième activité en web marketing que j'ai démarré le 7 janvier 2015. Donc je suis né le 8 août 1989 et j'ai été millionnaire à 29 ans en partant de zéro. Alors voici les différentes étapes. L'étape numéro une, Faire une étude de marché pour savoir où se trouve mon audience. Donc, est-ce que mon audience se trouve sur Twitter, sur Facebook, sur Google, sur Snapchat, sur Pinterest, sur LinkedIn, sur Instagram, etc. etc. Donc, déjà, vous, avez, vous savez qu'il y a des plateformes qui sont universelles où absolument tout le monde est dessus. Donc, je pense notamment à YouTube, Google, Facebook, Instagram. Ça, c'est vraiment le quatuor où tout le monde est dessus. Ensuite, si on se focalise sur Twitter, c'est plutôt les hommes politiques. Les journalistes, donc surtout les journalistes qui sont principalement sur Twitter, par rapport à Snapchat, c'est plutôt les jeunes. Pinterest, c'est plutôt les thématiques artistiques. Euh, maintenant, si on, on réfléchit à LinkedIn, ça va être plutôt les personnes qui utilisent leur compte de manière professionnelle. Donc c'est vraiment très... Euh, en tout cas, c'est quelque chose que je recommande pour le B2B, etc. etc. Donc ce que je vous invite à faire, c'est en fonction de la thématique que vous voulez gérer et créer un business, où se trouve mon audience. Donc regardez, que ce soit des influenceurs, que ce soit des grosses chaînes YouTube, que ce soit bah, de manière générale ce que vous voyez dans votre fil d'actualité par rapport aux publicités Facebook, toutes ces choses-là, où se trouvent les gens sur lesquels bah, j'aimerais avoir de l'impact à l'avenir pour pouvoir vivre de mon activité sur Internet. Où se trouve mon audience L'étape numéro 2, ça va être cette notion de SEO et cette notion... De cherche. Alors j'ai pris quelques notes euh, directement sur mon MacBook Pro euh, qui se trouve juste à gauche euh, et que, vous, voyez, et que euh, vous ne voyez pas à l'écran. Donc les sites sont les suivants euh, que je vous euh, recommande et que moi j'utilise personnellement. Donc en termes de recherche, donc, ce qu'il faut regarder euh, quand euh, vous visionnez le, le volume de cherche numéro 1, regardez quel est le volume de recherche par rapport à, aux mots-clés de la thématique. Et numéro 2, quelle est la concurrence vis-à-vis -vis de ce mot-clé. Et moi, ce que je recommande systématiquement, c'est toujours de prendre des mots-clés qui ont une, un volume de recherche de plus de 1000 recherches par mois, avec la concurrence la plus faible possible. Donc on ne va pas chercher les gros mots-clés où il y a beaucoup de volume de recherche, mais malheureusement, la concurrence est omniprésente. Donc si ce n'est pas le cas, en fonction de votre niche, merveilleux foncé mais souvent là où vous avez une, une gros volume de recherche vous avez une concurrence qui est démentielle si je vous donne quelques exemples comme le vin l'argent le sexe qu'est-ce qu'on pourrait dire le marathon des mots où il y a gros volume de recherche mais comme il y a un gros volume de recherche il y a aussi une concurrence qui est très féroce alors les différents outils sont les suivants donc j'utilise VidIQ donc ça s'écrit V I D L Q Ensuite, j'utilise Google Search Console. Donc là, c'est quelque chose que je vous invite à utiliser également. J'utilise Answer the Public. Hein, je vous invite à aller euh, voir euh, bah, ce site. Ça vous permettra de savoir bah, qu'est-ce que les gens réclament et souhaitent obtenir à l'avenir. J'utilise Ubersuggest et j'utilise Google Analytics. Donc je récapitule. VDIQ, Google Search Console, Answer the Public, Ubersuggest. Et Google Analytics. Et pour venir à Ubersuggest, c'est un outil qui a été créé par le marketeur américain Neil Patel. Et qui est excellent, qui est gratuit, qui vous permettra de savoir exactement en termes des volumes de recherche et de la concurrence des mots-clés pour que vous puissiez vous positionner là où ça va être bénéfique pour vous. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est l'automatisation. Ce qui rend fou beaucoup d'influenceurs ou alors même d'entrepreneurs sur Internet, c'est que oui, j'ai compris que je dois être sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, j'ai déjà 50 000 choses à gérer et du coup, pour. Les réseaux sociaux soient en votre faveur, vous devez les automatiser. Donc, vous avez de nombreux outils. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Buffer, vous avez Mité de vous avez également l'outil Sociali qui a été créé par mon ami Kevin hano, etc. etc. Donc, choisissez un outil d'automatisation. Donc, soit Buffer, soit Mité de soit Sociali. Prenez une nouvelle fois l'outil bah, qui est le plus simple pour vous et le plus intuitif lorsque vous l'utilisez donc dans la mise en place de vos réseaux sociaux pour que vous ayez juste besoin d'y penser seulement une fois par mois, et que le reste du mois, vous avez vos publications qui soient publiées, et que les personnes puissent consommer votre contenu. Ensuite, l'étape numéro 4, ça va être la régularité. Pourquoi j'insiste sur cela C'est que souvent, on est tout chaud, tout flamme pendant 60 jours, 30 jours, 90 jours, et après... Ce côté, ouais, cette grinta, ce feu sacré, euh, ces émotions positives, on sait bien bouger les fesses, ça, ça retombe. Et malheureusement, ce qui va vraiment faire une grosse grosse crise sur le long terme, ça va être la régularité. Donc, c'est mieux que vous publiez peut-être que deux ou trois fois par semaine, mais que vous le faites au cours des deux, trois ou cinq prochaines années. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Au lieu de se dire, bah, je fais euh, un défi d'une publication par jour pendant 30 jours, et puis après, vous ne faites plus rien pendant deux ou trois mois. Ça ne rime à rien en quelque sorte parce que vous allez perdre la connexion et le fil conducteur avec votre audience. Donc, publiez moins si euh, vous avez un petit peu de mal à publier euh, une fois par jour, mais que vous ayez cette constance. Et ensuite, donc, 1, 2, 3, 4, le cinquième point, la cinquième étape que je voulais euh, donc, euh, vous donner, ça va être votre personnalité. Donc, les gens, s'ils vous suivent, c'est par rapport à vous. Votre, per votre personnalité, mon enthousiasme me fait bafouiller. Votre caractère, votre pédagogie, votre expertise, votre sympathie, sympathie pardon, votre intelligence sociale, toutes ces choses-là, c'est ça. Euh, si euh, les gens estiment qu'ils passent un bon temps avec vous, bien ils vont continuer, continuer, continuer à consommer, consommer, consommer de la présence par rapport à ce que vous publiez et pas ricochet qui se ressemble, s'assemble. Ils vont devenir clients quand vous allez lancer des produits ou alors acheter les produits des, des partenaires que vous conseillez. Donc souvenez-vous de ces cinq étapes. Donc je vais les récapituler. Donc l'étape numéro 1, réaliser une étude de marché. L'étape numéro deux, donc mettre en place cette notion de search et bien faire euh, tout le travail de référencement, donc ce qu'on appelle le SEO. L'étape numéro 3, ça va être l'automatisation. Donc là, vous pouvez utiliser des outils comme Buffer, de ou encore Sociali. L'étape numéro 4, ça va être la constance, le, le, le calendrier de publication de deux ou trois fois par semaine ou une fois par jour en fonction de là, le curseur que vous estimez que vous allez pouvoir durer dans le temps. Et l'étape numéro 5, ça va être votre personnalisé. Donc, dès que vous pouvez, mettez-vous quand même en avant parce que bah, l'objectif aussi des réseaux sociaux, c'est de parler comme si vous parliez à un ami. Les personnes vont s'attacher à vous. Donc, vous allez avoir évidemment de temps en temps des critiques, des haters. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est les personnes bah, qui apprécient votre travail. S'ils apprécient votre travail, ils vont déclencher le bouche à oreille, ils vont partager votre contenu et surtout la chose la plus importante, ils vont devenir des clients. Et c'est grâce à ces clients que vous allez avoir une entreprise profitable à votre service et qui va vous permettre de vivre du web. Donc, et vous, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux Et si la réponse est oui, donc comment vous les utilisez Donc, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Hein. Merci par avance, ça me permettra un petit peu d'avoir. Votre feedback. Est-ce que c'est un fardeau pour vous, les réseaux sociaux, ou en revanche, c'est quelque chose bah, qui vous anime au quotidien Donc, je serais curieux d'avoir votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Hein. Merci une nouvelle fois. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous aimeriez avoir d'autres vidéos sur le même style, donc dans ce même type de format, cliquez sur le bouton like ça me permettra d'avoir votre avis. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, haut, je voulais vous offrir. Un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation... Offerte où euh, bah, j'explique une liste de thématiques rentables pour vivre du web. Donc, j'ai mis en place à travers un fichier PDF dans cette formation euh, online offerte donc les thématiques qui sont rentables pour être sûr que si vous démarrez sur les réseaux sociaux, euh, donc, que vous fassiez pas fausse route et que vous puissiez vivre du web. Donc, pour bénéficier de cela, c'est tout simple il y a un lien à de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email et vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout en description juste en dessous. Donc je vous souhaite une bonne utilisation des réseaux sociaux et je vous dis à tout de suite de l'autre côté ou directement dans votre boîte mail. Bye bye Bien Oui Clique Oh C'est mignon